entre le 6 et le 9 août 1945, les États-Unis larguent deux bombes de 4545 kg sur les villes de Hiroshima et Nagasaki, ce qui marquera la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Que s'est-il passé ces jours-là? Quels ont été les effets physiques et psychologiques sur les habitants? Nous allons également voir si les États-Unis ont gardé leur réputation propre et leur rôle de gardien de la paix et de la liberté. Mais avant ça, générique. Ces deux attaques ont tué entre 129 000 et 226 000 personnes, dont la majorité étaient des civils. C'est les États-Unis qui ont été les responsables, mais ils n'étaient pas seuls responsables de ce crime. Il fallait aussi le consentement du Royaume-Uni pour mener les bombardements à bien. Mais avant cela, les Alliés ont mis en place un blocus qui coupera l'approvisionnement en ressources des Japonais. L'acier, le pétrole et d'autres ressources nécessaires afin de continuer la guerre seront coupés. Le coup de grâce sera donné par les États-Unis en larguant les deux bombes sur les villes japonaises. Maintenant, voyons quels ont été les effets psychologiques et physiques sur les habitants. Déjà, les effets psychologiques. Le choc mélangé à la violence de l'événement feront que certaines personnes auront des troubles du comportement, voire sombreront dans la folie. Pour ce qui est des effets physiques, ils sont très graves et ils sont nombreux. Brûlures, cécité, cancer, voire même la mort. Cette vidéo est là pour vous dire que le progrès peut sauver l'être humain, comme les progrès dans la médecine, ou comme il peut le détruire, avec par exemple l'avancée technologique dans les armes chimiques ou radioactives. Si vous avez aimé la vidéo, je vous conseille de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nouvelles vidéos. Nous parlons de contenu historique et sur les pires horreurs de l'humain et de ce qu'il a pu faire de produire. Si vous avez aimé la vidéo aussi, likez. Et je vous laisse l'espace commentaire pour mettre des petites choses que j'aurais oubliées ou même faire des suggestions de vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!